Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilaye Camara depuis Bruxelles. Nous sommes donc dimanche le 28 en fait, février 2020, chers compatriotes. J'ai donc un thème d'information. Mon thème d'information se compose donc de trois éléments, c'est vrai. Le premier élément, je parlerai d'Alpha Condé. Alpha Condé qui insulte les Guinéens et prend des mesures anti-peuple, chers compatriotes. Très bien, le deuxième élément, je parlerai de Thibaut Camara. Thibaut Camara, cet ignorant pétueux se taire. Troisième élément, je parlerai du Niger. Niger avec Mahamadou Issoufou, le héros africain, cher compatriote guinéen. Très bien, alors le thème est quand même rempli, c'est vrai. Alors je vais aller rapidement, cher compatriote guinéen. En guise d'introduction, cher compatriote guinéen, j'ai en fait publié sur mon feed d'actualité Facebook, c'est une publication avec le titre Alpha Condé, le plus pire. N'est-ce pas? Le plus pire qui pourrait être un pléonasme, n'est-ce pas? Certains d'ailleurs m'ont reproché un peu dans les commentaires que le plus pire on ne le dit pas, le pire c'est suffisant. Écoutez, moi je mets ça, finalement j'ai mis entre guillemets, le plus pire comme une figure en fait de style, n'est-ce pas? Une manière donc de mettre beaucoup plus d'accent sur le caractère abominable d'Alpha Condé. Alors quand je dis le plus pire, c'est effectivement par rapport à Sékou Touré, par rapport à Alassane Conté. Dans cette publication, je dis que oui, Alpha Condé le plus pire, hein, je mets ça entre guillemets toujours, c'est une figure de style. En fait, je dis Sékou Touré par exemple, oui, c'était un sanguinaire, un dictateur, c'est vrai. On l'en voudrait pour toujours, c'est vrai. Mais je dis quelque part, on retient aussi de Sékou Touré qu'il était un homme clé dans l'indépendance de la Guinée, n'est-ce pas? Donc le fait historique de la part de Sékou Touré. Un dictateur, un sanguinaire, oui, mais écoutez, un fait historique, franchement, alors je dirais, et pour lequel d'ailleurs on lui doit beaucoup, l'indépendance de la Guinée. Et je dis, Alassane Conté. Alassane Conté était un autoritaire, je dirais même assassin. Assassin, oui, Alassane Conté, écoutez, à un moment donné, il était insensible. Vous voyez, moi, je me dis, un président qui ose envoyer des militaires pour également, en fait, s'il faut lui faire face aux manifestants désarmés, qui emploient des armes, des balles réelles, des balles rouges avec des balles réelles tirées sur les manifestants, les tuer, c'était un assassin. Alassane Conté était un autoritaire et un assassin. Mais je me dis, Alassane Conté aussi, il y a un fait historique pour lequel également nous lui serons reconnaissants. N'est-ce pas? Alassane Conté a été l'initiateur de la démocratie libérale, du pluralisme politique dans sa version moderne. N'est-ce pas? Et je dis l'Alpha Condé, Alpha Condé, écoutez, c'est un assassin, un dictateur, un imposteur, un menteur. Vous voyez, un menteur, un éhonté, disons comme ça. Lui, écoutez, absolument rien. On ne retient rien d'Alpha Condé. N'est-ce pas? J'ai dit donc le plus pire. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit Alpha Condé, non seulement il est assassin, Alpha Condé est dictateur, mais Alpha Condé, il insultait ses prédécesseurs, Sékou Touré, Alassane Conté, d'être des assassins, des sanguinaires, des dictateurs, des violeurs en fait, des gens qui violent les lois. Alpha Conté, lui, pendant 45 ans, il s'insurgeait contre Sékou Touré et Alassane Conté. N'est-ce pas? 45 ans, n'est-ce pas? Jetant des fleurs sur la démocratie libérale. N'est-ce pas? Que quand lui sera au pouvoir, c'est la démocratie, c'est le respect des valeurs démocratiques. N'est-ce pas? Écoutez, il est arrivé au pouvoir, alors il se comporte de la même manière que ses prédécesseurs. Dans ce cas-là, s'il faut juger, on dira qu'il est plus pire que Sékou Touré et Alassane Conté. Parce que lui, en fait, on peut dire que Sékou Touré, sûrement, c'était le premier, hein, le premier dans cette affaire. Sékou Touré, le premier président, et c'était face surtout aux Blancs, aux colonisateurs français. On peut dire que Sékou Touré, quelque part, peut-être pas tellement d'expérience, ne savait pas beaucoup, un peu l'ignorance. Là, ça compte également un militaire qui n'a même pas fini son collège, n'est-ce pas? On peut dire aussi, mais Alpha Condé, on peut dire que lui, au moins, se batte pendant 45 ans, n'est-ce pas? Vantant les mérites de la démocratie et qui vient dictateur. Il fait exprès, il fait volontairement. Donc il est le pire. Je mets ça entre guillemets comme figure de style. Il est le pire de tout ça, je compte bien. Très bien, ça c'était en fait entre guillemets pour ces commentaires, parce que beaucoup en fait me commentent dans ce domaine-là. Pourquoi employer le mot, l'expression le plus pire? Voilà l'explication, je compte bien. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, je dis bien, le premier point, je vais parler d'Alpha Condé. Là, on en a trop parlé toutes ces semaines, non? Alpha Condé qui insulte, en fait, les Guinéens. N'est-ce pas? Il insulte les Guinéens et prend des mesures un petit peu. Je m'explique, chers compatriotes guinéens. Alors, quand Alpha Condé qualifie les Guinéens d'éhontés, c'est-à-dire que le Guinéen n'a pas honte,
que nous sommes comme la tortue, il faut le feu derrière. N'est-ce pas? Alors, c'est que moi, je vais insister sur le mot la honte. Le mot honte. Alpha Conde dit que nous sommes, en fait, que le Guinéen n'a pas honte. Mais c'est quoi la honte réellement, cher Comte Guinéen? Alors, la honte, je donne deux sens. J'ai fait une publication, donc, relativement à cela. La honte, dans un premier sens, on peut dire, en fait, c'est un sentiment de culpabilité. Vous êtes derrière des actes répréhensibles, alors pour ça, vous avez honte. Donc, il y a un sentiment de culpabilité, vous vous sentez coupable. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? Alors, dans ce sens-là, nous représentons Alpha Condé. N'est-ce pas? Je m'explique tout à l'heure avec des exemples. Et l'autre sens, c'est une attaque à l'honneur de quelqu'un. N'est-ce pas? À l'honneur, effectivement, à notre honneur. Effectivement, à notre dignité. Vous comprenez? Là, quand nous sommes attaqués, quand notre honneur est attaqué, notre dignité est attaquée, on a honte. Mais cette honte-là n'est pas un sentiment de culpabilité dans la mesure où nous sommes innocents. Alors, dans le premier sens, je dis bien, un sentiment de culpabilité, Alpha Condé, écoutez, cet homme qui a été capable, Alpha Condé a été capable, 45 ans de lutte pour la démocratie, n'est-ce pas? Il arrive au pouvoir en 2010, il renverse la situation. C'est une autre personne que nous voyons. Qui doit avoir honte, cher Comte Guinéen? C'est lui qui doit, il doit avoir honte. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte pour ça. C'est lui le coupable. Il y a le sentiment de culpabilité. Mais Alpha Condé, non. Il dit les autres, c'est les autres qui sont les coupables. Les Guinéens sont les coupables. Que nous n'avons pas honte, les Guinéens. Pourtant, c'est lui, Alpha Condé, qui n'a pas honte. Il devait avoir honte. Ce grand changement radical. Cher Comte, 45 ans, vous luttez pour la démocratie. 45 ans, vous luttez contre les dictateurs en Guinée. N'est-ce pas? Et vous venez au pouvoir, vous êtes pire que vos prédécesseurs. Vous devez avoir honte. Et comme il n'a pas honte, qui n'a pas honte? C'est Alpha Condé qui n'a pas honte, qui laisse les Guinéens tranquilles. Les Guinéens, bien sûr, nous avons honte. Nous avons honte parce que notre honneur, notre dignité, cette dignité a été attaquée. Oui, attaquée parce que on se disait, l'homme qui vient, Alpha Condé, qui a lutté pendant 45 ans pour la démocratie, n'est-ce pas? Il vient, on avait cet espoir-là que cet homme-là, finalement, va faire sortir la Guinée de ce grand trou, de cette obscurité de mal-gouvernance. On avait cet espoir-là. On avait l'espoir que finalement, la Guinée va se retrouver dans le conseil des nations, en fait, démocratiques, surtout dans la sous-région, cher Comte Guinéen. Qu'on pouvait finalement se comparer aux Sénégalais, se comparer aux Ghanéens, n'est-ce pas? Et tant. On avait cet espoir qu'Alpha Condé est arrivé. Mais non, ça n'a pas été fait. On a le contraire. On a, en fait, un diable. Un diable au pouvoir. Il s'est transformé en diable. N'est-ce pas une honte pour nous, les Guinéens? Notre honneur, notre dignité a été attaquée, cher Comte Guinéen. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cela. Alpha Condé, nous le savons tous. Écoutez, je crois que je ne vais pas en parler beaucoup parce que déjà, il a été plusieurs fois, d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs répondu, donc l'a attaqué plusieurs fois, même insulté, oui, c'est ce qu'il a voulu. Alpha Condé a prouvé encore une fois qu'il est un homme de la rue. C'est un homme qui n'a rien appris, il n'a pas étudié. C'est un homme de la rue, Alpha Condé. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? Le deuxième élément, je vais parler de Thibaut Camara. Thibaut Camara, excusez-moi, cher Comte Guinéen, je vais donc ajouter sur, pas Alpha Condé, non seulement a insulté les Guinéens, mais il y a un autre élément que je vais ajouter, c'est très important, c'est vrai. Alpha Condé, toujours dans ses discours cette semaine, il a dit également, Alpha Condé qui parle, il dit, nous allons, je cite, nous allons faire voter les lois extrêmement dures. C'est Alpha Condé qui parle. Après 10 ans, il est au pouvoir et maintenant, il entame son fameux troisième mandat, n'est-ce pas, dans la tricherie, l'illégalité totale, un dictateur. Il dit, je cite, nous allons faire voter les lois extrêmement dures. Cher Comte Guinéen, cet homme dit qu'il est passé par la Sorbonne, Alpha Condé, qu'il a étudié les sciences politiques, et même il a été professeur des sciences politiques. Je vais dire à Alpha Condé que les lois, il dit parce que lui dit que nous allons faire voter les lois extrêmement dures. Les lois ne sont pas dures, Alpha Condé. Partout dans le monde, les lois ne sont pas dures. N'est-ce pas? Le problème, c'est au niveau de l'application. Les lois ne sont pas dures. Les lois sont bonnes. Les lois sont gentilles, Alpha Condé. Elles ne sont pas dures. Le problème, c'est au niveau de l'application. Dans l'application, il faut employer effectivement le mot dur dans ce cas-là. Oui, la preuve, vous-même, Alpha Condé. Hein? Vous aviez été incapable de respecter la Constitution guinéenne. N'est-ce pas?
Chose que vous avez chanté plusieurs fois, hein, face à Alassane Conté. C'est que vous trouvez que deux mandats, il faut respecter la Constitution. Alpha Condé, vous venez, vous ne respectez pas. N'est-ce pas? Vous voyez le problème ici, l'application. Ce ne sont pas les lois. Les lois, elles sont bien. Elles ne sont pas dues. Mais le problème, c'est au nom de l'application. Vous avez été incapable, vous voyez, vous-même, de respecter la loi, cher compatriote guinéen. Très bien. Et toujours dans ce discours, Alpha Condé dit, je vais citer, et de chaque fois que vous avez des produits périmés, là, il s'adresse aux commerçants, il dit chaque fois, je cite, hein, chaque fois que vous avez des produits périmés, on va calculer l'ensemble des marchandises que vous avez dans votre magasin et vous infliger une amende qui représente le double de cela. C'est Alpha Condé qui l'a dit. Moi, je dirais, c'est une mesure contre les peuples. C'est une mesure contre les peuples. D'ailleurs, cette façon de parler, ce n'est pas au président de la République, donc, en fait, de s'expliquer. N'est-ce pas? C'est une mesure qui doit être, en fait, prise pendant, en fait, le Conseil des ministres. Vous comprenez? N'est-ce pas? Et à travers le journal, en fait, officiel de l'État, on donne ces informations ici. Mais cette façon d'Alpha Condé, vous voyez, à tout moment, il est partout, n'est-ce pas? Au four et au moulin. C'est, pour vous dire combien de fois, on a un dictateur devant nous. C'est pas pour rien, il a dit qu'en Guinée, il n'y a jamais eu coup d'État. Parce que pour lui, coup d'État, c'est quand le chef est en fonction, vous comprenez, on l'évince. N'est-ce pas? Et pour vous dire combien de fois, il met l'accent sur le chef de l'État, l'homme. Vous voyez? Donc c'est un dictateur Alpha Condé. Et quand beaucoup disent que, non, le problème ce n'est pas le chef, le problème c'est les Guinéens même, non, c'est bien lui Alpha Condé. Vous voyez, il met l'accent sur le chef de l'État. Il a dit, j'ai hérité d'un pays sans État. N'est-ce pas? Absolument, il n'a rien fait. Alors, il veut dire par là que, écoutez, il n'y avait pas moi, Alpha Condé. Moi, chef d'État, oui, en ce moment, il y a l'État. Alors, lui, il n'était pas au pouvoir, donc, il n'y avait pas l'État. Maintenant, il est venu, voilà, il y a l'État. Seulement ça, ce n'est pas pour se battre pour que la Guinée puisse retrouver des institutions de l'État. Non, ce n'est pas ça. Lui, c'est un dictateur, Alpha Condé. Alors, cette mesure, par exemple, concernant les produits périmés, il s'attaque aux commerçants. Ce n'est pas comme ça, il faut le faire. L'Ansana Conté n'avait pas étudié, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans certaines décisions d'Ansana Conté? Il savait qu'il y avait, en fait, des commerçants, envoyés par-ci, par-là, les jeunes qui vendent, en fait, des actifs par-ci, par-là, traversant les rues, etc., etc. Mais l'Ansana Conté, l'initiateur de la démocratie libérale, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, écoutez, pour le moment, nous acceptons cela. Les Guinéens sont pauvres. Ah, laissons tout. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Une fois que les Guinéens, chacun aura, en fait, une base concernant l'argent, la possession d'argent, et puis, petit à petit, on tentera, en fait, d'être beaucoup plus sévère dans l'application des lois. Là, ça n'a compté la fait. Donc, il a laissé d'abord tout le monde. Faites ce que vous voulez. Cherchez l'argent. Nous venons de la révolution. Alors, vous voyez, on venait de la révolution. C'est un peu d'ici pour quelqu'un pour dire, bon, écoutez, j'ai tel million de dollars, je vais me construire une villa. Non, c'est impossible. Là, ça n'a compté dit, faites ce que vous voulez. Mais un moment viendra, on va, petit à petit, on serre les choses, n'est-ce pas? Alors, Alpha Condé prend ses mesures, lui-même il le dit, mais écoutez, moi je me dis, c'est une mesure ou des mesures contre les peuples, contre les commerçants peuples, n'est-ce pas? Parce que il se dit, écoutez, ces commerçants-là, ces gens-là ne m'ont pas soutenu ou ne soutiennent pas mon troisième mandat. Toujours dans son discours, Alpha Condé dit, en fait, la construction ou les constructions sauvages seront, si vous voulez ça, s'il vous plaît, c'est le compétent guinéen, il dit, les constructions sauvages seront, en fait, toutes cassées. Hein, les constructions sauvages seront toutes cassées. Alors, parlant de déguerpissement, je cite, les constructions sauvages seront toutes cassées, Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan, vous connaissez le président turc, Erdogan a dit lors de son séjour à Conakry que ce n'est pas une ville. Vous vous rappelez ce jugement de Erdogan, c'est Alpha Condé qui nous le disait, que Erdogan lui avait dit, mais écoutez, ça c'est pas une ville. Alors Alpha Condé dit, alors, j'espère que lors de son prochain, de sa prochaine visite, en fait, quand Erdogan reviendra à Conakry, alors il dira que Conakry est une ville. Fin de citation. Vous comprenez, Alpha Condé est un complexe. Et il y a un point que je vais vous dire. C'est pourquoi Sékou Touré, je vous dis, Sékou Touré est un sanguinaire, un dictateur. Mais je vous dis, Sékou Touré, il avait un caractère. N'est-ce pas? Sékou Touré, si c'est Sékou Touré qui était avec Erdogan, Erdogan vient à Conakry. Il dit, Conakry, mais ça c'est quoi? Ce n'est pas une ville avec tout cette tout-là. Sékou Touré aurait eu des mots pour humilier Erdogan. Sékou Touré. Il aurait humilié Erdogan. Erdogan vient à Conakry, il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est pas une ville avec vos tolis là. Sékou Touré aurait trouvé des mots pour répondre à Erdogan qu'il n'aurait jamais oublié toute sa vie.
Sékou Touré. Alors, Alpha Condé complexé, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est en train de casser toutes ces maisons à Conakry. Sa référence à Erdogan, parce que Erdogan a dit ça. La prochaine fois qu'Erdogan va venir à Conakry, il va se trouver, voilà, c'est une ville. C'est cela. Lui, Alpha Condé, il n'a rien d'intrinsèque. Lui, il se dit pas, écoutez, depuis, quand il était opposant, il dit, mais Conakry, c'est comme ça, je vais tout changer. Non, il attend qu'un autre président étranger vienne pour dire les telles choses qu'on peut gagner. C'est incroyable. Très bien. Alors, et aussi, toujours dans son discours, il dit, je cite, le gouvernement entreprendra l'élaboration d'un projet de loi, en fait, réprimant plus sévèrement les, en fait, hausses abusives et fantaisistes des prix sur le marché. Ça aussi, c'est des mesures contre les peuples, chers contre-guinéens. Alors, parlant de la hausse des prix, si maintenant d'ailleurs, avec les frontières qui sont fermées, écoutez, les économistes donc le savent très bien, n'est-ce pas? Vous fermez toutes les frontières et beaucoup de nos marchandises viennent du côté Sénégal, n'est-ce pas? Ici, vous fermez tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est normal que cela aura des effets, des incidents sur les prix, sur le marché, n'est-ce pas? Voilà. Très bien, cher Contogui. Ça, c'était donc sur le point sur Alpha Condé. Je vais maintenant attaquer, en fait, Thibaut Camara. Deuxième point, Thibaut Camara. Très bien. Alors, qu'est dit Thibaut Camara? Je dis bien le titre, Thibaut Camara, cet ignorant doit se taire. C'est vrai. Thibaut Camara, voilà ce qui se passe. Vous l'avez suivi, il a dit cette semaine, je vais, par rapport à cette affaire de Jenab Nabaya Drami. Alors, vous savez que le procureur avait pris, en fait, une certaine décision à propos, cher Compte Guinéen. Alors, Thibaut Camara dit, il désapprouve la démarche du procureur de la République dans l'affaire, en fait, du détournement d'un montant de 200 millions de francs guinéens par le ministre ou la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Jenab Nabaya Drami. Alors, Thibaut dit que le parquet est nommé, c'est Thibaut qui dit, il dit le parquet est nommé par le ministère de la Justice, c'est le représentant de l'État dans au sein de la Justice, il ne peut pas, il dit bien, il ne peut pas, le ministre, hein, il ne peut pas, en fait, ouvrir une procédure contre un ministre sans avoir été saisi, en fait, par le gouvernement. Alors, il dit, c'est Thibaut Camara, il ne s'est pas auto-saisi, il parle de procureur, il ne s'est pas auto-saisi de l'affaire. L'affaire a été portée devant lui par le gouverneur qui s'est senti offensé par un article de la presse qui met en cause la crédibilité et sa réputation, la réputation en fait du gouvernement. Thibaut Camara, fin de citation. Très bien. Alors, c'est Thibaut Camara qui l'a dit, d'abord, entre parenthèses, je dis Thibaut Camara, écoutez, je dis bien, cet ignorant qui, qu'est-ce qu'il peut-il se taire? Thibaut Camara est un autodidacte. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est formé soi-même. Mais les conséquences, quand on est autodidacte, c'est que, si je vois beaucoup, j'ai un problème de connexion, voilà. Alors, je dis bien, autodidacte, quand on est autodidacte, donc on se forme soi-même, mais les conséquences ici pour un autodidacte, c'est que la formation acquise, en fait, ne suit pas un schéma. Rien n'est schématisé, rien n'est structuré. N'est-ce pas? C'est ça un autodidacte. C'est bien. Donc, mais si nous prenons le cas de Thibaut Camara n'a aucune formation, ni en politique, ni en droit, ni en économie, ni en journalisme. Hein? On dit journaliste, autodidacte, bien sûr. Mais là aussi, rien n'est schématisé sur Thibaut Camara. Rien. La preuve, quand Thibaut Camara dit, par exemple, que en fait, Alpha Condé, qu'Alpha Condé est souverain. Alpha Condé est souverain. Un président souverain. Plutôt un peuple souverain. C'est le peuple qui est souverain, pas le président, Thibaut Camara. Vous voyez? Donc, aucune formation, ni en politique, ni en économie, ni en droit, ni en journalisme. N'est-ce pas? Alors, concernant le cas. Alors, il y a eu ce cas de la dame Drami. Jenab Nabaya Drami. N'est-ce pas? 200 millions de dollars détournés, qui auraient été détournés par la dame, n'est-ce pas? Mais ça au conditionnel. Très bien. Alors, je pense que, selon Thibaut Camara, donc c'est le gouvernement qui a saisi le procureur, n'est-ce pas? Et que parce que le gouvernement s'est senti, en fait, blessé, humilié par cet article de la presse, par Guinée News, n'est-ce pas? Alors, le procureur a été saisi. Alors, mais, certains ont dit, mais le procureur devait lui-même saisir, s'auto-saisir de l'affaire. Alors, Thibaut Camara qui dit non, que le parquet, c'est-à-dire le ministère public, ne doit pas le faire. Le ministère public ne peut pas saisir l'affaire sans, en fait, le consentement, en fait, du ministère de la Justice. Qui est parce que Thibaut Camara qui dit que le parquet est nommé par le ministre. Et plutôt par, le parquet, le procureur de la République, est nommé par le ministère de la Justice. Ce qui est faux, Thibaut Camara. Le ministère de la République n'est pas nommé par le ministre de la Justice, il est nommé par le président de la République, par le chef de l'État.
Thibaut Camara, là aussi, vous ne le savez pas. Le procureur est nommé, le procureur de la République est nommé par le président et non par le ministère de la Justice. Alors, dire que le procureur ne peut pas se saisir d'une certaine affaire, n'est-ce pas, sans saisir, sans d'abord qu'il soit saisi, pas lui, il va saisir, mais sans qu'il soit saisi par le ministère de la Justice, ça aussi, c'est faux, Thibaut Camara. En ce moment, le procureur n'a plus de sens. Le procureur de la République, d'ailleurs, on dit dans certains pays, le ministère public, il défend la société. Hein, il défend le peuple en général. Partout où on contrevient à la loi, n'est-ce pas, le procureur intervient. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il soit saisi par le ministère de la Justice, par le gouvernement. Non. Il agit tout de suite. Il agit en relation avec, les instructeurs, n'est-ce pas? Vous voyez? Pour finalement mener l'affaire devant les juges. C'est ça le procureur de la République. Il y a tout un exemple que j'avais cité autrement. Au Ghana, par exemple, le président ghanéen, il avait nommé à un moment donné, en fait, un citoyen ghanéen comme procureur pour enquêter sur des entreprises offshore, des entreprises qui, en fait, avaient des revenus qui n'étaient pas déclarés. N'est-ce pas? C'est le président qui nomme ce monsieur. Il a nommé procureur de la République, le monsieur a commencé son travail, il a travaillé dans sa recherche, dans ses enquêtes, il a finalement rencontré que pas mal de personnes ghanéennes qui étaient derrière ces entreprises offshore, qui avaient beaucoup de membres du gouvernement, des ministres et même le chef de l'État. N'est-ce pas? Et quand le chef de l'État a su que, effectivement, en fait, le procureur l'avait dans ses enquêtes, le chef de l'État a tenté, en fait, d'embrouiller l'enquête, a essayé, donc, d'empêcher en appelant de façon, en fait, claire, en disant au procureur, écoutez, n'allez pas si loin, arrêtez. Et parce que le président était dedans. Et qu'est-ce que le procureur a fait? N'est-ce pas? Il a continué à faire son travail. Il n'a pas écouté le président. Il a continué à faire son travail selon les lois du pays. Il est procureur de la République et partout où les lois ne sont pas respectées, et surtout il est nommé pour un cas bien donné, enquêté sur les entreprises offshore. N'est-ce pas? Il a continué à faire son travail et le président a continué, en fait, à l'empêcher. Jusqu'à l'appeler pour lui dire, écoutez, n'allez pas si loin. Et qu'est-ce qu'il a fait le procureur? Dans son bureau, il a fait un discours en disant, écoutez, monsieur le président, j'en ai marre, vous m'avez fatigué. Vous m'avez nommé pour enquêter sur les entreprises offshore. Vous m'avez pas nommé pour travailler pour vous. Je suis procureur de la République, je dois travailler pour tout le peuple ghanéen. Pas pour une seule personne, pas pour vous. Et il a démissionné. Thibaut Camara, vous ne le savez pas, cher compatriote guinéen. Bon, c'était cela, cher compatriote guinéen. C'était trop long, mais voilà, c'était l'essentiel. Donc, vous avez su le premier point sur Alpha Condé. Alpha Condé qui qualifie les Guinéens déhontés. Alors, qui est honté en Guinée? C'est bien Alpha Condé, l'homme qui a renié tout son passé de politicien, en fait, d'opposant, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Le deuxième point, vous avez Thibaut Camara. Thibaut Camara, cet ignorant qui... Cet ignorant, effectivement, qui doit se taire. Il doit se taire parce qu'il connaît absolument rien, Thibaut Camara. Et écoutez, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai eu tellement d'éléments. Et vous l'avez suivi, le troisième point également, après avoir terminé avec Thibaut Camara, il y a un troisième élément parce qu'aujourd'hui j'en parle, j'ai beaucoup d'éléments. Il y a le troisième élément, j'allais oublier, cher compatriote guinéen, excusez-moi, c'est bien Niger. Il ne faut pas terminer sans parler du Niger. Le Niger avec Mamadou Issoufou, s'il vous plaît. Mamadou Issoufou au Niger, cher compatriote guinéen, vous l'avez noté, Mamadou Issoufou, je dis bien, Mamadou Issoufou, le Niger, le héros, en fait, africain. C'est plus que nigérien, il est africain. N'est-ce pas? En fait, oui, parce que le Niger, cher compatriote guinéen, c'est très important. Le Niger a connu, toujours connu, plus, en fait, de coups d'État que d'élections. N'est-ce pas? Chaque fois qu'un président commence son mandat, il ne finit pas. Un premier mandat, il y a un coup d'État. Chaque fois, c'est comme ça. Un président commence, soit c'est pendant le premier mandat, il y a un coup d'État, ou pendant le deuxième mandat, il y a un coup d'État. Ça a été toujours comme ça. Et la première fois au Niger, avec Mahamadou Issoufou, il a fait son premier mandat, deuxième mandat, sans coup d'État militaire. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas? Il a respecté la loi. Il fait ses deux mandats, il quitte. Il choisit quelqu'un dans son parti, n'est-ce pas, qui représente ce parti, donc aux élections générales, aux élections présidentielles, dans les élections libres et transparentes. N'est-ce pas important, cher compatriote guinéen? Un pays, je dis bien, qui a toujours connu plus de coups d'État que d'élections. Hein, qu'aucun président n'a pu terminer un premier mandat sans coup d'État militaire. Maintenant, on a Mamadou Issoufou qui termine deux mandats sans coup d'État militaire et qui cède le pouvoir, qui quitte. N'est-ce pas? Il a fait deux mandats, il respecte la constitution nigérienne, il se retire. N'est-ce pas? En nommant quelqu'un dans son parti qui va aux élections générales, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas important? Alpha Condé n'aurait-il pas fait cela en Guinée? N'est-ce pas? Après deux mandats, Alpha Condé qui a tant chanté, en fait, comme opposant historique, disons comme ça, entre guillemets, n'est-ce pas? N'aurait-il pas fait mieux comme ça?
La Guinée ne serait-il pas stable aujourd'hui? N'est-ce pas? De fait qu'il s'est contredit, qu'il a vu la loi. La Guinée sera-t-elle stable? Jamais. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il tombe Alpha Condé. C'est clair et net. Alors, il faut féliciter Mahamadou Issoufou. C'est un héros national, d'abord, aussi africain. N'est-ce pas? Parce que ce qu'il a fait, ça servait d'exemple pour tous les autres pays africains. Je comprends bien.